L'Espagne a été le premier pays d'Europe à dépasser un demi-million de cas en début de semaine, mais les décès sont restés relativement bas avec 241 au cours des 7 derniers jours. La France a également connu des infections quotidiennes records cette semaine. Jeudi, près de 10 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Le Premier ministre français Jean Castex a promis d'intensifier les tests entre les groupes vulnérables afin d'éviter un nouveau blocage général. Pour ces personnes prioritaires, nous allons renforcer les circuits dédiés de dépistage. Ainsi, les laboratoires leur réserveront certains créneaux horaires et nous veillerons là où il y a des besoins, et notamment dans les grandes villes. L'Angleterre a apporté d'autres changements à sa liste de quarantaine. Toute personne arrivant du Portugal continental et de Hongrie devra maintenant s'isoler pendant 2 semaines. Ils rejoignent ainsi des pays européens comme la France, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas. L'Allemagne se prépare à d'autres manifestations anti-blocage ce week-end. Plus de 5 000 personnes sont attendues à Munich, dont des sympathisants d'extrême droite et des négationnistes du coronavirus. Un rassemblement similaire qui a eu lieu il y a 2 semaines est tombé dans la violence alors que des manifestants tentaient d'entrer dans le Reichstag, le siège du Parlement allemand. D'autres manifestations auront également lieu à Varsovie, en Pologne, contre les mesures imposées par le gouvernement polonais pour endiguer la propagation du virus. Madrid, la capitale de l'Espagne, sera également le théâtre de manifestations d'extrême droite samedi contre la gestion de la crise par le gouvernement. La manifestation se terminera ici, à Cologne, qui est le lieu de rencontres régulier pour les rassemblements du parti d'extrême droite Vox.